Et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur scène la réalisatrice Eri Jesseri. Si vous voulez nous rejoindre sur scène, ainsi que les actrices Fidi Fdili, Faten Fdili, Abdelhak Mrabti, Fedi Ben Achour, le compositeur Amin Bouhafa, la directrice de la photographie Frida Marzouk, le monteur Hafde Laridhi et la collaboratrice et traductrice Malika Louati. Et évidemment, la réalisatrice, Eri Jesseri. Ouais. Alors, pardon, je vois. Pardon, Eri. Oui, pardon. Merci, merci à tous et toutes merci. D'être ici. La première question, Eri, vous nous avez parlé à l'introduction du fait que c'était le village de votre père. Oui. Je me demandais si vous pouviez nous dire comment ce projet était venu à vous. You told us this was shot in your father's village, so how did this project come to life? En fait, je faisais un casting pour un autre film dans la région de mon père parce que on a un accent particulier là-bas et c'est quelque chose, c'est un accent qu'on n'entend pas vraiment dans le cinéma et qui est souvent moqué à la télévision. Mais j'imagine que dans tous les pays, il y a ces accents du sud ou du nord ou de l'ouest qui posent problème pour les autres, pour la majorité. Et je trouvais que c'était très symbolique d'aller chercher des talents là-bas. Et on m'avait pourtant dit, tu ne trouveras pas de talent ici. Et finalement, si. Well, I was doing casting for another film, and because I was looking for actors that had that very particular accent of that specific region of Tunisia that is often mocked on TV, as probably many accents are all over the world. And I thought it was very symbolic to look for talents from that region. And people would tell me, well, you'll never find talents in that region, and but there are. Et en même temps, on entendait un peu dans les journaux les histoires des femmes des camions, comment c'était difficile pour ces femmes qui vont travailler dans les champs, la manière dont elles sont transportées et tout ce qui peut leur arriver. Et quand j'ai rencontré Fidé par hasard devant le lycée, j'étais en train de mettre une affiche et je l'entendais s'engueuler avec quelqu'un qui m'a inspiré la scène de Elle et Sanet. Je me suis retournée, j'ai vu Fidé, c'est la première actrice que j'ai rencontrée. Et quand elle est venue au casting, je lui ai demandé ce qu'elle faisait pendant l'été et elle m'a dit je travaille dans les champs, pour de vrai, dans la réalité. Et je me suis dit mais en fait c'est une femme des camions. Et donc je suis allée avec elle, c'était à l'époque la récolte des cerises, et elles m'ont tellement bouleversée, ces femmes, leurs histoires, et ce microcosme du pays que j'ai rencontré, et du monde arabe, et de la Tunisie, et puis même d'ailleurs, que j'ai décidé de changer de film. Et en 3 mois, on a réécrit un film pour elles. Bah, sur... And I had heard of those truck ladies, who are laborers, who are carried in those trucks. And I met Fide by chance outside her high school. She was the first actress I met, and I asked her what she was doing for the summer. And she said that she was going to work in the fields, actually working in the fields to pick cherries. And I was so moved by all the stories that I heard that I completely changed my script and I rewrote completely. And 3 months after, we had this new script and I rewrote for them. Alors dans le processus d'écriture justement, parce que c'est il y a tellement de personnages, 10 personnages au moins, dont certains sont ici. Ce processus d'écriture, comment ça s'est fait? Ça s'est fait avec eux, à partir de leurs histoires, ou déjà à la base il y avait cette idée d'écrire sur l'amour, la liberté? Can you tell us about the writing process? Did you write partially with them? J'ai commencé déjà à écrire, et puis j'ai eu aussi Peggy Hamann. Peggy, t'es où? Qui est là? Qui m'a aussi aidée et ralliée à la croix, avec qui j'ai partagé cette idée folle en plein confinement, en lui disant on va aller chercher de la lumière et on va laisser une histoire venir à nous. Et du coup, j'ai commencé à écrire une structure plutôt d'une journée de travail. Et puis ensuite, évidemment, scène par scène, on a fait des répétitions. Ces répétitions m'ont fait changer mon texte
puisque la réalité est souvent plus coquine, plus malicieuse et plus inattendue que les dialogues qu'on peut écrire en se les imaginant. Et du coup, c'est un processus d'aller-retour entre écriture et répétition. I started writing with my co-writers. It was in the middle of lockdown, and I decided to just look for the light. So we had an outline, a structure, more than anything at first, about a day of work in the field, and then for the scene by scene, we did some rehearsals with the actors, and we changed as we went along because reality is often cheekier, more mischievous, and more unexpected than fiction. Alors j'enchaîne sur une question pour Fidé, puisqu'on a la chance de vous avoir. J'ai lu que vous n'étiez pas très intéressé à la base par ce casting. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a convaincu? So I read that you were not very interested in this casting, in this audition, in the beginning. So what convinced you? Il faut parler dans le micro. Aslema. Ah oui. Alors, je ne sais pas si français, mais je vais essayer de traduire. ما خاطر معناش مخرجين اول مره يجينا كاستينغ البلاصه هذيك بالنسبه لي العالم c'était la première fois ils ont on n'a pas de réalisateur on n'a pas de cinéma dans la ville où on habite donc elle imaginait pas ça du tout العالم هذا بالنسبه لي كان غامض ياسر ما نعرفش في بالي كي كنصوروا et le monde enfin je connaissais pas du tout ce monde et j'y suis allée vraiment sans savoir sans connaître rien du tout. كي جيت ريج حكينا شوي فهمت شوي حاجات وبعدها تطلع لي الحق هي عاونتني ياسر كأول مرة ميرسي بوكو ريج دونك جو رمارسي ريج باسكو ان فيت جي سوي الي باسكو الا في كونفيونس اي ريج اي الا ايدي اي الا غيدي اي الا اي الا الا دوني تو سكالا بو دونك ميرسي بوكو ريج. Well, it's basically because there's no cinema where I come from in the small town where I live, so I never imagined that this would exist. I didn't know this world, so I just trusted Erij, and she guided me, and I want to thank her, and then I gave her my best. Et une question peut-être pour Faten, puisque j'ai vu que certains personnages ont gardé leur nom, par exemple Fidé a gardé le nom Fidé dans le film, et c'est pas votre cas. Vous êtes Melek. Est-ce que c'est pour amener plus de fiction dans le film? Est-ce que c'est pour vous détacher de vous-même, pour jouer un rôle? Some of the characters have kept their own name, first name in the film, but that's not the case for your character, who is named Melek. Was that for you to feel more like it was a character, to detach yourself from her? عسلامة نسي الكل لا ماهيش بعيدة برشا نو لو بيرسوناج إي با سي إلواني كسا دو سا بيرسون فما حاجات هذيك عشناها كيف ما هي يعني يا دي شوز دون الفيلم كي سون مونتري دون الفيلم كون ا فريمون فيكو كوم سا إي كون ا فريمون بري كوم سا كيف ما هي كيف ما أنا كيف ما الفيلم شوية دون سارتان سين يا يو كيلكو شانجمون إلا جوي بيان سور mais c'est pas si éloigné de leur personnage et de leur vie. Waounatna Erij barcha bach atina ma andna. Merci Erij. Voilà, c'est Erij qui nous a guidé et qui nous a montré comment faire et tout et donc voilà. Merci. Mais c'est vrai que the character is actually not very far from me. Those are many of the things that happen in the film are things that we have really lived. Of course, I acted, and for some of the scenes, it's not something that I've actually lived through. But Erige guided us, and she led the way. En fait, c'était plutôt une décision à moi, mm-hmm. en fonction de la personnalité, mm-hmm. de garder ou pas le prénom. Quand je sentais que c'était très assumé ou qu'elles avaient moins envie de jouer, plutôt d'être elles-mêmes.
Et quand je sentais que peut-être on pouvait jouer avec un autre prénom pour un peu se cacher derrière aussi. Donc c'était vraiment au choix suivant leur personnalité. It was mostly my decision most of the time, depending on their personality, how I felt that they could, you know, play with that and maybe by giving them another name, they could hide behind that or not. Et peut-être une question pour les hommes aussi dans ce film. Est-ce que vous aussi, vous travaillez comme Fidé dans le chant parfois, ou est-ce que vous avez dû apprendre les gestes? Comment ça s'est passé d'apprendre à jouer vos personnages? Do you work in the field also yourself, or did you have to learn the daily gestures, the picking? Et quelles ont été vos principales difficultés dans ces rôles? What were your challenges? Pour moi ou pour toi? Comme vous voulez. Aslama, j'ai travaillé dans le flaha. Donc lui, il a déjà travaillé en agriculture, dans les champs. وخدمت ومن بعد مشيت بلاصة أخرى ومن بعد عاودت رجعت عاودت تعلمتهم من الأول ما يبقاو حاجات ما نسيتهمش وكاو. Et donc il a déménagé, mais après quand il est revenu pour le film et tout, il s'est rappelé, puis il a réappris, et donc il s'est rapidement intégré dans le film. Well, I have worked in the fields before, and then I moved. But then when I came back, it came back to me. I learned those gestures again. السلام. كانت أنا نخدم مارشي دي غرو تاجر. بشوي خلنا. Donc lui il travaille marché, c'est un peu le Rungis de Tunis. Et donc il a une voiture et il va vendre donc des fruits, des légumes dans ce marché. تعرفت بون أريج بعثت شكون. تعرفت عليها تاني فكرة معنا على الفيلم مشيت عملت كاستينج كنت عند معنا المسؤولية معنا برسك مرسي donc et en fait il cherchait quelqu'un pour jouer le chef du. Et donc on lui en a parlé là-bas au marché et il est allé passer le casting et donc comme il dit lui, il a tout donné. Well, as for me, I work at a big producer's farmers market, and I heard while I was there that they were looking for someone to play the boss, and so that's why I went and auditioned. Erige, l'idée de ce huis clos à ciel ouvert, elle est venue tout de suite d'exclure l'intérieur dans le film et de le faire sur une seule journée. Quelles ont été les contraintes de ça? So you, did you decide to work in this enclosed atmosphere in open air right from the outset and during one day? Oui, en fait, oui, l'idée est venue assez vite que ce serait une journée en huis clos. Une sorte de journée en fait répétitive qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que cette journée serait représentative de toutes les autres, de tout ce quotidien, et en même temps j'avais envie de parler d'un destin commun. Donc on monte ensemble dans le camion et on repart ensemble dans ce camion, et il y a ce destin commun du pays, et c'était un peu ça l'idée à la base que je voulais raconter. Well, yes, of course, it was this idea of one day that's very representative of a typical day in the fields with the truck that takes them in the morning and takes them back in the evening. And this idea of them having a common fate, a common destiny, like the common destiny of a country. J'imagine que c'est une journée à la fin, mais que le tournage durait bien plus qu'une journée. Comment vous avez fait pour les raccords, lumière, la saison, les figues, la maturité des fruits? On peut demander à Frida qui s'est occupée Frida, du cadre. Et que how vraiment, did you navigate? Because it was not shot in one day, of course. So how did you navigate the lights, the lighting, and how to make everything together? En fait, on a tourné donc sur deux mois, quelque chose comme ça. Donc c'est clair qu'on a eu plein de problèmes au départ, en fait. Penser à la lumière, parce que déjà on savait pas exactement où on allait se mettre. Les champs de figues c'était assez grand. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un système. Le matin, on tournait sur ce côté.
L'après-midi, on tournait sur un autre côté pour pouvoir avoir les mêmes directions de lumière, en fait. Donc, en fait, on s'adaptait au soleil toute la journée et on essayait d'éviter les heures entre 11h et 15h où ça tapait beaucoup trop fort. Et du coup, on a réussi un peu à faire des raccords de cette manière, juste en tournant, en fait, avec le soleil. Et en tournant avec les travailleurs, parce qu'il faut savoir qu'autour de nous, il y avait des gens qui travaillaient vraiment. C'était la récolte des figues et il était hors de question pour nous de gaspiller toutes ces figues que vous voyez dans le film. Ça faisait vraiment partie de la récolte. Ils travaillaient vraiment et je pense qu'à un moment donné, on a presque oublié presque qu'on faisait un film, c'est-à-dire qu'ils faisaient la récolte aussi avec les autres travailleurs. Et pour la petite anecdote, il y a une des scènes où une personne débarque en plein. Et ça, c'est incroyable parce que Frida, elle a été hyper réactive. C'est-à-dire que la scène de Fidé, lorsqu'elle se dispute et qu'il y a le vieux monsieur qui vient l'engueuler. Ce vieux monsieur est un vrai travailleur qui n'était pas très loin et qui l'a entendu et qui pensait que c'était vrai. Et donc, on s'est regardé avec l'équipe et on a dit, on tourne. Et on a regardé Fidé et on lui a dit, et toi, tu joues. So yes, it was shot over a period of 2 months. So yeah, we had to be careful with the lighting because the fig orchards are pretty large. So in the morning, we would just turn according to the sun to have always the light on the same side and avoid hours between 11 and 3 p.m. And also we had to, of course, to take into account the fact that actual laborers were picking actual figs, and there was no question we didn't want those figs to be wasted, and so this led to a really funny moment when the older man barges in when Fide is in a fight, and so he gets offended, and it was an actual laborer who thought there was an actual thing going on, an actual fight, and so he started talking to Fide, and I looked at Frida and said, okay, let's roll, let's do it, and Fide. Now you're going to act. Encore une question sur l'image. On est sur quelque chose de très serré, très, très serré sur les visages, alors que c'est un paysage à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce choix? Can you tell us about your choice about having really tight shots? Bon, déjà, c'était l'idée d'un huis clos. On était dans un espace qui était censé être fermé, même si c'est un champ de figues. Ensuite, c'était aussi, en fait, quand on a commencé à tourner, on n'avait pas forcément un système, parce que comme les acteurs ne sont pas des acteurs à l'origine, il fallait nous s'adapter à leur manière de bouger ou de jouer. Et en fait, quand on a commencé les scènes au départ, en fait, c'est ce que j'ai senti, en fait, qu'il fallait que je sois plus proche. Donc, c'était plus un choix de mon côté, instinctif, de les filmer de cette manière. Voilà, c'est les deux raisons. Et il y a l'autre raison, qui était une raison plutôt métaphorique par rapport au pays, qui raconte aussi qu'on est dans un champ de figuiers, sous des arbres, on est protégé, c'est beau, il y a une belle lumière, comme nos pays, la Tunisie et les autres pays arabes aussi, et d'autres pays. Mais en tout cas, on a des beaux pays dans lesquels il y a une belle lumière, et pourtant, notre jeunesse étouffe un peu. Et c'est cet étouffement qu'on voulait raconter sous les arbres, en étant si proche d'eux, à la fois pour être très intime avec eux, mais aussi pour montrer que ça peut être beau de l'extérieur, mais ça peut être dur de l'intérieur. Bravo. Yes, it was this idea from the start, even though we're in open air, to have this enclosed feeling. Since we're shooting with non-actors, I was the one who had to adapt to their movement, to them. So I sensed that I had to be closer to them. It was my own instincts. But also for metaphorical reasons, it feels like it's a metaphor of our country. It's nice under the trees. It feels nice. The light is beautiful. We feel protected. But our youth is stifling. And so I wanted to show that it can be nice on the outside, but hard on the inside. Peut-être un mot sur la musique, puisqu'on a Amin Bouhafa, le compositeur. Donc on a entendu qu'il y avait dans ce film une musicalité avec les accents. Il y a aussi le chant des femmes qui arrivent, et il y a votre musique aussi. Pouvez-vous nous dire quand vous êtes intervenu pour la musique et qu'est-ce qui vous a inspiré? About your work on the songs that are sung in the film, and the music, of course, you compose for the score. Alors, j'ai intervenu assez tard dans le processus. Donc, le film était déjà quasi monté, à 80% du montage avancé. J'étais très inspiré par la lumière. Vraiment, cette luminosité aussi, enfin, qui est présente sur les visages,
défi. J'ai trouvé aussi que ce huis clos à ciel ouvert, ce côté marivaudage, était à même d'accepter un vrai accompagnement musical avec une identité sonore qui soit universelle, qui soit pas qui n'utilise pas forcément un langage local d'instrument local folklorique, etc. Et parce que il y a un côté vraiment universel dans cette histoire-là. Ça aurait pu se passer, ça aurait pu être une cueillette d'olives dans le sud de l'Italie ou en Amérique latine. Et ce côté universel m'a beaucoup touché. Je me suis dit que ça pouvait vraiment donner naissance à des sonorités qui ne viennent pas de ce pays-là, mais qui accompagnent cette histoire pour qu'elle puisse être racontée à tout le monde. Et puis, depuis le début, je pense qu'on a été d'accord avec Elige que la musique devrait raconter quelque chose qu'on ne voit pas forcément à l'écran, qu'elle doive saisir un secret, et du coup, en fait, on a essayé de travailler sur le côté tragique aussi de cette histoire-là, parce qu'on voit au début on voit toutes ces femmes monter dans un camion, presque une vingtaine de femmes monter dans un camion, et on les voit aussi à la fin dans ce camion-là. Donc la musique, elle contrastait cette lumière-là pendant le film, elle accompagnait la lumière, et au début et à la fin du film, elle rappelait la dureté de ce qui se passe, la dureté de ces conditions de travail. En fait, je pense qu'il y a plusieurs couleurs. Excusez-moi, je vais juste traduire. I arrived really late in the process. The film was 90% edited at the time, but I was very inspired by the light on the girls' faces. And I liked that this Marivaux-like story felt really universal, so I wanted to compose a quite universal score, not necessarily with local instruments, because it could have happened in Italy, picking olives. And I wanted also the music to tell what's not on screen, something unsaid, something a bit of a secret, and maybe also a bit of a tragedy tone. Ouais, moi, je voudrais juste rajouter qu'il y avait aussi, on cherchait des couleurs, il y a plusieurs couleurs dans la musique là, et il y a quelque chose à la fois de bucolique, et de nostalgique, et de tragique. Et je pense que ce mélange est intéressant, parce que la nostalgie, c'est comme quand on a quitté la campagne pour aller à la ville, et je sais pas, et on se rappelle de ces moments. C'est un côté intemporel comme ça. Et le côté bucolique, ben c'est un peu cette jeunesse, et puis ce miroir c'est cette jeunesse en fait qui trouve un espace de liberté, même dans un endroit un peu enfermé. And also we worked on the different colors, the pastoral color, the nostalgic and the tragic color. The nostalgic is people who left the country and moved to the city and remember all those feelings that they had when lived in the country. And also the pastoral is where the youth find a space for their own freedom. Il y avait du monde, on a donné la parole à tout le monde. Et une question du public? Le monteur. Le montage, voilà, oui. Voilà, merci. Ah oui. No. He made an incredible work. Ouais, bah bien sûr. Non. S'il vous plaît. Il a travaillé longtemps. Combien de temps? On a travaillé 6 mois. Le montage. Presque. Yeah, we worked for 6 months and then we stopped and we worked for more 3 months. So really long process. Donc oui, c'est un très long processus de montage. On a travaillé 6 mois, puis on s'est interrompu et on a repris pendant 3 mois ensuite. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que c'était long comme ça, puisque c'est une journée. Well, what was hard, it was to keep a kind of visual identity to the film and keep the story going at the same time. So we had to deal with that at the same time. On avait besoin de recul, donc on a arrêté un peu. And then we had to finally keep a good balance and see that that's it, that's the final version of the film. Thank you. Alors oui, donc c'était pour en fait garder une identité visuelle tout en gardant l'histoire en fait cohérente ensemble. Donc on a dû prendre un petit peu de recul et ensuite on s'y est remis. Une question pour Erige ou quelqu'un? Oui, monsieur. Un micro qui arrive. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la structure que vous avez choisi pour le film, cette unité de temps, de lieu et presque de temps d'action aussi. La question que je voulais poser, c'est sur la scène finale.
Qu'est-ce que vous avez voulu mettre ensemble dans ce contraste de close-up, d'images très rapprochées, des visages, les jeunes qui étaient insouciants, qui chantaient, qui se reprenaient, se filmaient avec les téléphones. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus âgées. Et dans ces close-up, dans ces images, on voit une gravité, on voit quelque chose d'autre. Donc pourquoi ce choix pour conclure le film? In the final scene, there's a big contrast in the close-ups between the young, who are really carefree, and the older women, who show maybe some gravitas. En réalité, cette scène de fin a été montée par Hafez au tout début du montage. On a monté cette scène avant de monter le film, parce qu'elle représentait pour nous à la fois cette fatigue de ces femmes plus âgées. Elles regardent avec affection ces jeunes filles en se disant qu'elles sont passées par là, mais que la suite allait être quand même difficile. Et donc, il y avait à la fois quelque chose aussi de un peu de tragique dans ça, et un destin, un manque d'opportunité, en tout cas pour ces jeunes filles, à travers ces femmes plus âgées. Et en même temps, il y avait cette insouciance et cette liberté et cette grâce. Et puis, ça, c'est un film hommage, ce film. C'est un film hommage à ces femmes qui existent dans la réalité et qui sont là, puisqu'elles travaillent dans les champs. Donc, on est vraiment... Et voilà, et c'est vrai que ça a été superbement monté. On l'a pratiquement pas modifié, ce montage-là. Et ça a été, voilà, ça nous a servi de tonalité pour le film. Merci. Well, it was the scene that we edited at the very beginning. It was the first scene that was edited because it represented the tiredness of these women, and they give an affectionate look to those young women. But it's also a bit tragic because they might be what those young women might become because of the lack of opportunity. But they also have that carefree quality, that grace, and it's an homage to those women. And so it was superbly edited. We almost didn't change it afterwards, and I think it sets the tone for the rest of the film. Mais je vais quand même rajouter, même si c'est pas du tout le film, je regarde. Mais il faut savoir qu'on a aussi ces femmes des camions qui parfois meurent tragiquement dans des accidents de camions. Et moi, j'ai voulu parler de la vie plutôt que de parler de la mort. Je suis désolée de plomber l'ambiance, mais ça arrive. Il y a des accidents partout, ça arrive. Mais elles vont travailler quand même. Et voilà, c'était. Un hommage à ma manière d'aller chercher de la lumière, parce que elles sont pleines de grâce, ces femmes, et c'est voilà. Donc c'était important que ça se fasse comme ça. Juste pour l'anecdote, par rapport à ça, on n'a toujours pas le nom de ces femmes, c'est-à-dire que. On a cherché le nom de ces femmes en pensant juste mettre leur nom à la fin du film comme un hommage, même si ce n'est pas le film. On n'a jamais trouvé leur nom. Donc c'était l'idée aussi d'aller mettre des visages et des voix à ces gens, même dans la fiction, au contraire même, c'est encore plus fort. So there are, unfortunately, some of those truck ladies died tragically in some accidents. But I myself wanted to talk about life, not death. But it was an important homage for me. I wanted to put up the names of those women, but unfortunately, I could never find them. But I decided to give them a face and a voice. Merci beaucoup. Merci à cette merveilleuse équipe. Bravo pour ce film. Merci. Merci. Et belle suite de festival à tous et toutes.